Les Français vivent de plus en plus longtemps. Très souvent se pose la question de la prise en charge des personnes âgées. Pour vous aider à y voir plus clair, l'édition 2011 du classement France Info des maisons de retraite vient de paraître. Six enquêteurs ont passé au crible près de 9 500 établissements dans toute la France. Et ils ont établi un palmarès avec des notes de 1 à 10 dans chaque département. Dans le Nord, 16 établissements décrochent une note de 9 sur 10, notamment la résidence Ilis à Lille. Cet EHPAD comprenait un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et privées. Ici, le service se veut comme celui d'un hôtel. On va écouter le directeur de cet EHPAD au micro de notre reporter Tanguy Lecluse. On souhaite, nous, donner une image hôtelière à l'établissement. Et c'est-à-dire que tout l'aspect professionnel de l'établissement est caché par tout cet aspect hôtelier. On a le sentiment, quand on vient chez moi, je dis toujours, tout est proposé, rien n'est imposé. Je veux que ce soit le Club Med, bon, je veux que les gens soient contents, ravis, même s'ils ont des soins. Je dis que le moment de convivialité de la table, ce n'est pas une corvée, au contraire, c'est un vrai plaisir pour le résident de venir se restaurer, de participer aux animations. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens se sentent dans l'établissement comme à chez eux. D'ailleurs, pour rentrer dans leur appartement, il y a des sonnettes.